géant, également connu sous le nom de mérou de l'Atlantique, Epinphalus itajara, est l'un des plus grands poissons osseux de la famille des mérous. Voici une description de cette espèce remarquable. Le mérou géant est véritablement immense. Les spécimens adultes peuvent atteindre des longueurs allant jusqu'à 3 mètres et peser jusqu'à 400 kg. Il s'agit donc d'un des poissons les plus imposants du monde. Le mérou géant a un corps massif et trapu, avec une tête large et une bouche très grande, munie de dents pointues. Son dos est généralement brun vert ou brun gris, tandis que son ventre est plus clair. Il a une peau épaisse et rugueuse, parsemée de taches sombres irrégulières et de motifs marbrés. Les juvéniles ont une apparence différente, avec des rayures verticales distinctives sur un fond jaune vif, qui s'estompe à mesure qu'ils grandissent. Les mérous géants se trouvent principalement dans les eaux tropicales et subtropicales de l'océan Atlantique. Ils sont présents dans les régions côtières de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud et des Caraïbes. On les trouve également dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest, de l'Europe occidentale et des îles de l'Atlantique. Les mérous géants sont des prédateurs solitaires et territoriaux. Ils se cachent souvent dans des structures sous-marines, telles que des récifs coralliens, des épaves ou des grottes, où ils attendent patiemment leur proie. Leur régime alimentaire est diversifié et comprend des poissons, des céphalopodes, des crustacés et même des tortues marines. Les mérous géants sont des poissons à croissance lente et peuvent vivre jusqu'à plusieurs décennies. Le mérou géant est connu pour sa longévité. Les études suggèrent que ces poissons peuvent vivre jusqu'à 50 ans, voire plus. Leur longévité contribue à leur lente croissance, ce qui rend leur population particulièrement vulnérable à la surexploitation. Les mérous géants préfèrent les habitats côtiers, notamment les récifs coralliens, les épaves et les formations rocheuses. Ils sont souvent associés à des structures sous-marines complexes qui leur offrent des cachettes et des lieux de repos. Ces habitats fournissent également une abondance de proies pour les mérous géants. La reproduction des mérous géants est lente et complexe. Ils sont hermaphrodites protogynes, ce qui signifie qu'ils naissent comme femelles et peuvent se transformer en mâles plus tard dans leur vie. Les mérous géants se reproduisent en formant des agrégations de reproduction, où plusieurs mâles se disputent les faveurs d'une femelle. La femelle produit des millions d'œufs qui sont libérés dans l'eau, où ils sont fécondés par les mâles. Seuls quelques-uns de ces œufs parviennent à l'âge adulte.
raison de leur statut de conservation préoccupant, les mérous géants bénéficient désormais d'une protection légale dans de nombreux pays. La pêche commerciale et récréative du mérou géant est réglementée pour permettre la reconstitution des populations. Des efforts de conservation tels que la création de zones marines protégées et la sensibilisation du public contribuent à la préservation de cette espèce emblématique. Les mérous géants sont également l'objet d'études scientifiques approfondies. Les chercheurs s'intéressent à leur biologie, à leur comportement, à leur écologie et à leur physiologie pour mieux comprendre ces animaux fascinants et pour mettre en place des mesures de conservation efficaces. Interaction avec d'autres espèces, les mérous géants jouent un rôle important dans les écosystèmes marins en tant que prédateurs de haut niveau. Leur présence régule les populations de poissons, contribue à maintenir l'équilibre des écosystèmes récifaux et favorise la biodiversité. De plus, leur habitat fournit des refuges pour de nombreuses autres espèces marines, ce qui en fait des habitats riches en biodiversité. Importance économique, le mérou géant a une grande importance économique dans certaines régions. Il est prisé par les pêcheurs sportifs pour sa taille et sa force, ce qui en fait une espèce recherchée pour la pêche récréative. Cependant, en raison de leur statut de conservation, de nombreuses régions ont mis en place des réglementations strictes pour la pêche au mérou géant afin de protéger les populations. Les mérous géants continuent de fasciner les scientifiques, les plongeurs et les amoureux de la nature du monde entier. Leur taille impressionnante, leur rôle écologique crucial et leur statut de conservation précaire en font une espèce emblématique qui suscite l'intérêt et l'attention de nombreux efforts de préservation.